Bonjour. Bienvenue pour le nouveau numéro 21 de Imperium avec une première gratte des Skitteries. C'est du Mechanicus, ça change un peu, des Necrons et des Ultramarines. J'ai pas vu la date. Il y a une date dessus. Normalement c'est en deux parties, donc là on a une partie sur les deux. À mon avis ça doit être sur l'autre gratte. La deuxième alors, ouais. Skitteri Vanguard et les Rangers Skitteri. Donc il y a deux unités dans la même boîte quoi. Donc on peut faire ou 5 et 5 ou 10 et 0 du coup. Ceux qui en ont déjà, ils auront une boîte en plus ou de renfort. Ceux qui en ont pas, c'est l'occasion d'avoir une petite troupe qui change. Moi j'avais vu le premier kill team qui était en rouge à l'époque, c'était vraiment des grappes colorées. Et là, du coup, c'est en gris. Donc, il y a un mélange de rouge et de gris. Quoi. Voilà. C'est du multi-kit. Hein. C'est tout à coller. Et je ne sais même pas s'il y a le plan dans celui-là. Ouais, s'il y a un plan. Donc voilà. C'est une boîte qui vaut 40 euros maintenant chez Games Workshop. Donc là, elle est en deux magazines. Donc ça fait 20 euros. Voilà. Je veux dire, magazine, on va en dire à 10. Donc ça fait une économie de 20 euros dans l'histoire. Ce qui se prend toujours. Chez Tiana, ils l'ont acheté en plusieurs. Et les socles sont dans le numéro 22. Voilà, c'est le petit truc, ils sont mis à part. Ça a été confirmé sur les sites anglais. Donc là, on change du coup totalement des Ultramarines. On est arrivé dans une autre faction de l'Empire. C'est les légionnaires mécaniques hein, qui sont plus robots que humains. Ils vivent sur Mars, du coup, la planète Forge. Bien modé comme ça. Bah, tu m'avais offert le très grand, le Big Boss. Ouais, depuis le temps que je voulais le. Que j'arrêtais pas de dire. Tu m'avais offert le plus petit aussi, puis il y en a d'autres. Ouais, je t'en veux. Ouais, les deux. Ouais, le chef, et puis un sous-chef. Le sous-chef, on en aura un autre. Mon livre aussi avec le truc comme ça que j'avais flashé. Ouais, toujours une autre. Ouais. Qui était vraiment très beau d'ailleurs. Avec le logo, elle est de la. Donc, toujours flashé dessus. Côté biomécanique. Ouais, voilà. Là, on en aura un peu plus, on écoute dedans. On en aura celle-là, on aura des figurines en plus que j'ai pas encore justement. Donc là, on a le chef, l'alpha. Et ils y sont tellement dans un monde aride qu'ils sont en fait limite robotisés. Il n'y a plus beaucoup de trucs d'humains comme leur jambe, pour moi, c'est des trucs robotisés. Ils me font penser un peu à ceux du désert là, dans Star Wars. Ouais. L'espèce de bandit là, ils ont aussi des lunettes comme ça, ils sont camouflés. Ça me fait aussi penser au dernier Necromunda avec ceux qui sont dans le désert, on sait pas du Mechanicus, mais ils ont aussi des lunettes et des grosses vestes aussi. Donc les mécaniques. Bon, comme à chaque fois, du coup, le truc de personnalisation, Goliath qui va dans sa piscine à bouboule. Les Adeptus Mechanicus, donc le petit topo pour générer un nom, donc c'est vraiment des trucs presque robots, on voit que c'est des numéros de série limite, et leurs noms sont assez les prénoms sont assez basiques quoi. Bizarre non, c'est pas basique, c'est bizarre. Ouais, on commence par un B. Les technoprêtres, donc on en aura un plus tard, des technoprêtres, on en aura un autre comme ça là, c'est celui-là. Pas le grand mais le petit, on aura aussi je crois qu'on en a un petit comme ça aussi. Et donc c'est vraiment les mécaniciens, c'est ceux qui réparent, qui construisent les mécaniques, tout ce qui est mécanique, et qui recherchent aussi tout ce qui peut être intéressant pour eux. Donc le culte Mechanicus, les Skitteri, alors je crois que c'est celui-là, le Big Boss. C'est celui-ci qui a créé les Primaris, du coup, les armes Primaris. L'amour écarlate, donc là il y a un écran. Un deuxième Necron, et un t'as dit l'amour écarlate, je veux dire. Non, la mort. Bah, pas de qui c'est le manteau. Ça, c'est leur histoire. Donc, c'est tout de base, en fait, hein, de l'Adeptus Mechanicus. Le montage. Et, donc, c'est des socles de 25 mm, des anciens socles. Donc là, c'est le comment eux conseillent par rapport à leur scénario puis les guides de peinture. Après, libre à vous d'assembler ou en ranger ou en vanguard. Hein, sachant que les vanguards, par contre, ne sont pas détaillés dedans. C'est plus adapté. Moi, je crois que c'est leurs pieds qui changent. Et les têtes, il me semble que ce n'est pas les mêmes têtes.
Ils ont tous les mêmes têtes. Non, toi, là, tu as des têtes comme ça, là, ouais, ici. J'ai vu qu'il y avait pas... Et là, tu en as des comme ça. Donc, selon que tu fais les Rangers ou les Vanguard, c'est pas la même tête, en fait. Mm-hmm. Et le corps, je crois qu'il y a un truc qui change. C'est les pieds qui changent. Je sais même plus. Mais enfin, il y a deux, trois trucs qui changent qui permettent de différencier les deux troupes. Donc le data cab, c'est un petit peu celui qui parle, hein, le qui a fait l'office de truc radio. Arquebuse transuranique, bon, c'est juste une buse, enfin une arquebuse assez longue. C'est eux aussi qui construisent tout ce qui est armes ou pas? Je pense, et fait partie des montes-forges. Donc ouais. Après les montes-forges, ouais, c'est eux ils construisent vraiment tous les plans et tous les armements, tous les véhicules. Eux, le clergé de Mars, enfin, le culte de Mars, comme ils disent, c'est plus ceux qui recherchent les technologies, qui gardent secret les plans de construction. En fait, c'est vraiment, ils vouent vraiment un culte avec la machine, quoi. Mais ils sont pas amis avec les nains. Hein. Avec les nains. Bah les montes-forges, j'ai pas de nains là-dedans. Bah, tu confonds des univers, c'est dans Age of Sigmar qu'il y a des nains. Ah, okay, là, dans 40 000, il y a des nains qui sont venus, mais je pense pas qu'ils sont dans le même thème. C'est ah, okay. Des nains. Parce que t'as pas des nains un peu cyberpunk aussi Ah, c'est pas des nains, c'est deux petits ratlings, c'est plus des alphings en fait, futuristes, mais. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Deux, non, je mélange les pinceaux. C'est une autre faction, mais c'est dans 40 000, mais c'est une autre faction. Ok. Non. Donc à la fin du coup, ça fera les 10 comme ça. Les fiches techniques, donc celui du lieutenant des escouades. Quelques explications par rapport aux techniques. Le tétrarque, l'IA-Unicron, et des explications aussi par rapport aux fiches techniques. Le scénario, donc défense orbitale. Donc là forcément, on ne peut pas encore jouer avec les mécaniques, c'est parce qu'ils n'ont pas de socle. Donc on continue avec les Necrons et les intercesseurs. Scénario. Dans le 22, on aura la deuxième partie, donc pour finir, de compléter les escouades, de peigner, on aura aussi guide de peinture, et commander les nouvelles figurines. Et dans le 23, on aura, donc ça j'ai pas encore, ça, on aura une arachnide de Canoptech, c'est une machine Necron. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle peut réparer les Necrons, je trouve, sur le champ de bataille. Il n'y avait pas d'autres trucs qui pouvaient réparer les Necrons? Ouais, si, il y en a d'autres. Dans le numéro d'or, il y en avait d'autres aussi. Ah, mais ça. Après, ce qu'il y a avec les Necrons, c'est qu'ils peuvent s'auto-réparer, enfin, ils peuvent se réparer pendant la bataille. Du coup, même si une unité qui est morte, elle peut des fois revenir. Quoi. Ça peut être intéressant avec les Necrons. Et avec le 21, on a aussi un petit dépliant en 3 pages. Hein, c'est la croisade d'Adomitus. Donc, Adomitus, hein, c'est juste quand Robut Gullman il est revenu à la vie. Il a lancé sa croisade pour récupérer, on va dire, un maximum de terrain. On peut voir un autre plan avec la grande cicatrice qui est, je pense que la cicatrice. Une guerre paria avec justement quand ils ont lancé un Domitus avec la zone de guerre paria, avec les forces Necron. Puis c'est l'Illuminor. Donc lui on l'aura dans les numéros bonus. Est-ce que je rappelle la collection, on va jusqu'à 90, c'est 80. Unixus Paria, qu'ils ont sorti un kit team aussi avec ça. Donc il y a un bouquin aussi, une campagne. Vraiment, ça fait des bruits bizarres. Et les forces impériales, donc les Space Marines, ça qu'on a depuis le début. Les Mechanicus qu'on a eu, et par la suite on aura aussi les Adepta Sororita, les soeurs de bataille. Là, j'en ai aucune autre. Ça, c'est vraiment une première pour moi, c'est d'avoir des sortes de batailles. Donc, voilà ce qui faisait le numéro 21. Après, on se retrouvera pour un petit déballage quasi déballé. Quoi. Comme d'hab. Bah, là, c'est des trucs vintage. Donc, il n'y avait pas de boîte, c'est l'occasion. Enfin, l'occasion neuve. Voilà, voilà. Allez, à la prochaine. Salut. Au revoir.